Tac. Ah. B, A. Lal. Ouais. Alors, donc là, c'est clair, moi je fais. Oh bah c'est génial! J'en ai une à. Quoi ça? 100 mètres? Ah bah c'est bon, t'as borne 4G, et tranquille. Alors là, attends. Ça, c'est la rue, et du coup, moi je suis là. Donc ouais, j'en ai une à. 100... Ouais, 200 mètres. Bon c'est bon, tu l'as largement. Cool! Ouais, non, mais j'ai fait un test tout à l'heure avec mon téléphone, je captais bien la 4G, mais. La fibre est à 15 maisons de chez moi, quoi! Eh ouais. RT, hein. Bon, j'attends le feu vert avant de repartir quand même. C'est bien parce que tu vois, j'ai fait des coupures à chaque pause. Comme ça, j'ai juste à reuploader tout sur sur YouTube, j'ai pas à faire de traitement, rien du tout. Ah oui. C'est reparti là? Bah, Skinez est toujours en mode retard. Ça m'étonne pas de lui, hein. Ça m'étonne pas de lui. D'accord, j'ai mis mes chaussons à l'envers, très bien. Ouais, je sais que vous en avez rien à foutre, mais j'aime bien. Oh, je suis trop mignon. Moi, j'attends le feu vert, hein, j'ai que ça à faire en fait. Coucou Bubu. Voilà, go. Très bien. Du coup, j'en étais où maintenant tout ça? Hop. J'en étais que j'étais en train de chercher une putain de jungle si c'était possible, Ah oui, surtout. la jungle. Ah bah c'est reparti là. Ouais. Ok. Je vais essayer de repartir par là-bas. Oula! Un squelette qui me regarde droit dans les yeux, ça fait peur. Où vas-tu comme ça, Oh, grumeau? mais t'es sérieux? Il y a des squelettes vraiment partout en fait. Sinon, ça va la latence sur. Sur le serveur. Mais t'es sérieux? Il y a des squelettes vraiment partout en fait. Ok, très bien. Ah putain, il est full stuff. Oh, il se met bien, le mec. En fait, j'avais une light derrière moi qui s'était mis en route, du coup, c'est pour ça que j'avais une latence. Oh! Merci Gabi! Merci, merci! Ça m'a explosé encore les oreilles, mais c'est pas très grave. Une question d'habitude Ah chez parce que moi. t'as une alerte de don. Ouais. Ah. Ah oui, je fais ça pro maintenant. Bah, J'aurais ce. voulu que tu me files ton squelette de code de page. Squelette de code de page. Là, le mec que tu as. Enfin, la page GRTV, Ouais. t'as mis en bas, etc. Il y aurait moyen que tu me le files pour que je fasse. Je me base sur toi et que je modifie à ma façon. Parce que clairement, moi, je veux pas un truc trop de ouf. Enfin, je vais faire un truc comme toi. Et puis, enfin, c'est ce que je comptais faire. Ah ouais. Bah il y a tout sur Stream Tips en fait. C'est à partir de là que j'ai configuré. Bah voilà, bah si tu pouvais me filer éventuellement le squelette, si t'avais encore le. Enfin, normalement, t'as accès au fichier. Ouais. Tu peux m'envoyer une copie, ça serait cool. Là, je modifie, je fais. Ouais, bah ouais. J'ai mon lien PayPal, évidemment. Non, tu peux laisser le mien. Comment ça, Bubu? J'ai pas compris. Ok, il est. Oh, bah ça va, j'ai plein de canne à sucre encore. Bah, limite, la canne à sucre, je m'en fous un peu, mais. Ça va le mouton dans le sol, tranquille, ouais. Et le mouton, tu verras, le mouton est complètement planté dans le sol. Peut pas mieux faire. Oh, pas encore. Ah oui, là. Ah oui, d'accord, il se met bien, ouais. Je pense que la masse est vraiment que du Extreme Hills. Je peux aller là-bas, hein. Au pire, c'est pas.
Si j'ai un début de jungle, c'est bénef. Bah bénef. Disons que ça peut m'aider. Ouais, mais Oh. ça serait bien plus au Ah. milieu de jungle. Bah ouais, mais c'est plus sur le bord qu'on trouve les pastèques. Les pastèques, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, t'es dans une jungle, là? Non. Je disais si j'en avais une. Ah. Et c'est pas encore le cas. Donc, Ok, bah fou qui s'est fait tuer, qui a tué Fumi. Chumi, Chumi. Ça doit être As-2. Il y a des pop ici par contre. Très bien. Ah, je crois que c'est As-2 parce que vu le mot en première page, putain! Je crois que ça venait de lui. Ah mais franchement, si Base Effen il gagne pas, moi je comprends plus rien. Après, c'est vrai que toute la Nether Ward a été prise. Peut-être qu'il est mort dans les flammes. Que t'es le seul à avoir les restes, hein. Ça peut. Tout est possible, tout est réalisable. J'ai peur avec en bas des arbres en arbre là. Bon, il n'y a pas de jungle parce que je suis arrivé en limite. Ouais, bah écoute, vous êtes plus que 7, enfin t'en as plus que 7 à tuer. Ouais. Sachant que t'as des potions de force de 8 minutes, 3 fois 8, 24. 24 minutes de force, ça va. Y a Ouais. pire, comme disait. Mais il y a pire. Après, c'est vrai que. Pas non plus en position de force. Mon petit starvé. Il est trop mignon. Ouais, juste pour se casser les oreilles, très bien, bah parfait. T'as bien fait. Bon, en tout cas, merci. Je suis en pleine concentration, mais. Bah, pleine concentration, oui, non. Mais merci bien. Baku Fett qui a tué Elvie. Ça va être. Ah, ça va être un mec redoutable. Bah, tu sais celui qui t'a buté? Fifi piano là? Non, c'est pas lui. Bakufen. Ah, Bakufen, ouais, bah lui, le mec il fout le diable sans chanter, les gens. Encore slain un mec, putain, il a combien de life là, Bakufen? Ouais, Non, 20. mais oh, mais please, quoi. Il Bah se là, clairement, tu fait sais, défoncer. t'as deux solutions. Pas dans les caves, tu fermes les spé, tu fermes les araignées, tu chopes de quoi faire un arc, t'enchantes les arcs. T'enchantes l'arc au max avec tes bibliothèques, et là t'enchantes. Toi, bah t'attends de te fighter contre lui, mais les chances de gagner sont extrêmement faibles. Moi je te conseillerais vraiment de trouver une cave. Quitte à mourir par un zombie, c'est pas grave. Au moins tu seras mort en essayant quelque chose, pas en tentant un truc qui est carrément impossible face à un mec full diams, etc. Tu vois ce que je veux dire? Surtout Full Diams, je pense qu'il a quand même un bon P2 voire P3 parce que ça a rien fait Ouais, du tout quoi. Donc le mec il lui faut rien, donc franchement faut que tu vises l'arc. L'arc, tu l'enchantes à fond avec les levels que tu aurais gagné en tuant des mobs histoire de rencontrer des araignées. Puis ça va, les araignées, c'est pas comme si c'était aussi rare que le diamant. Tu trouves une caverne, t'es bien enchanté niveau de protection. Clairement, même un squelette, ça te fera pas mal quoi. Moi je te conseille vraiment de trouver une caverne. Pas forcément miné, mais je sais pas, tu trouves une entrée de caverne, tu te balades un petit peu, tu vas forcément tomber sur une araignée un jour ou l'autre. Voilà où j'étais, il y avait plein de failles, plein de trous, c'était impressionnant. Pas de bambou. Ah merde, je pensais qu'il était. C'est bien comme ça, j'ai mis, non? Ah, c'est hoche. bonne blague. Ah, Nenderman, bonjour. Je vais passer le petit message. Venez chez moi. T'as
T'as commencé à... Ça prend les gens, mais comment ça le prend? Depuis tout à l'heure, en fait, principalement, c'est du... Lol. c'est principalement de la taïga. Si j'ai taïga, ça m'arrange qu'il y ait des... Waf waf. Mais par contre, les squelettes, généralement, sont en dessous, donc... Ça va les quatre squelettes en même temps, tranquille? C'est pas que je vous aime pas, mais un peu quand même. Et puis au passage, si ça peut te permettre de trouver 3 ors histoire de récupérer un peu de vie, même beaucoup, 4 coeurs quand même, mine de rien. C'est quand 4 même... coeurs, potions de force, etc. T'es mets bien. Donc, franchement, t'as vraiment tout intérêt à aller chercher un petit peu parce que clairement là, t'as aucune chance contre le mec. C'est clair. Et tu lui offrirais des potions de force sur un plateau d'argent. Ouais, puis tout ce qui va avec pour en refaire. C'est pas que, mais j'en ai encore. Ça se Alors trouve pour passer Sharpness 3 en diams. je... Ouais, bah j'ai pas eu un seul diams durant mon minage, c'est pas maintenant que je vais en avoir. Hein. Non, je parle de lui. S'il te tue et qu'il chope la Sharpness 2, ça se trouve il va passer Sharpness 3. T'sais. Ah oui, bah oui. Franchement, trouve une grotte et vas-y, quoi, fonce. Ah, j'essaie de trouver une Fonce. grotte. Objectif du jour, les gens ont trouvé la grotte. Vous Ouais. creusez une grotte. Je suis quand même pas. Je suis à la limite de l'extrémité, quoi. C'est. Au pire, mine un coup. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais revenir un petit peu par là-bas et puis. Alors, il y a Guillot par exemple qui, bon, qui a 19, il longe tout, tout, toutes les limites, il les longe. Et ça me plaît pas trop forcément, parce qu'il a quand même pas mal. Tu sais qu'il longe les deux. Il vient de le dire. Ok. C'est pour ça. Bon, je pense que je vais plutôt aller miner. Ah, j'ai Ouais. peut-être une crevasse. Encore du fer. Ah, mon petit skinnez est encore en vie. Eh bah putain. Ça, je m'en fous. Ah, t'étais passé par là tout à l'heure, je me souviens. Allez, maintenant, objectif XP, araignée. Et si possible, 3 petits golds. Trois petits golds, ça m'arrangerait, au moins pour remonter. Parce que même si j'ai pas ce qu'il faut, clairement, il faut que je remonte. Ouais. Là, fonce. Fais-toi des torches, là, je vois que t'as. T'inquiète pas pour ça. Mais en tout cas, ça va. En soi, normalement, 2 araignées devraient suffire. C'est en Après, quelle si t'as hauteur principalement l'or? 40? l'or, c'est entre le fer et le diams, donc c'est couche 15-20. 15-20. 15-20, surtout dans les cavernes, j'ai remarqué. Dans les cavernes, dans les grottes avec de l'eau, toujours à côté de l'eau, il y a plein d'or. Ouais. À chaque fois que tu explores des cavernes, enfin, c'est un truc pas là, tu trouves de l'or partout. Et prendre, reprendre du charbon, ça peut faire des torches. Donc, et les torches et XP en même temps. Donc, Ouais, dans 20 minutes, c'est en moins 300, 300. Bon, ça va, je suis limite. En plus, t'as une breaking à ta diamant, donc là, tu peux farmer la redstone, etc. Donc là, t'as de quoi faire de l'XP. Après, faut juste vraiment que tu trouves. Ouais, c'est par là. Tomber sur une mineshaft ou un truc comme ça. Jackpot. Le mieux, c'est que par exemple, si je trouve beaucoup de diamants, ce qui m'étonnerait fortement d'ailleurs,
Est-ce qu'il faut que je fasse tout en diams? Ah, bonjour les crevasses. Attends. Comment ça, tout en diams? Si par exemple je dois pas m'enchanter forcément, mais par exemple remplacer les protections 1 par du diams. Est-ce que Ah ça bah bien protège? sûr. Ah Ouais. bah. Ah bien sûr. Ah oui, carrément. Non, c'est bon, ouais. Je suis d'accord Ah bah aussi. carrément. Faut minimum en protection 2 pour que ça soit plus rentable. Hein. Ouais, non, protection 1. Et puis de toute façon, assez de level pour au moins passer un level sur sur le diams. Donc d'abord tu vises les bottes ou le pantalon. C'est équivalent. Après tu vises le plastron et le casque. De l'or. Yes! GG! Ah, t'aurais peut-être dû prendre quelques petites pommes au passage. C'est vrai, bon, dommage. Putain, mais c'est l'invasion de creeper ici. Ok, un or, très bien. Ah ouais, je veux une petite tête de creeper qui dépasse là. Est-ce que le craft de la boussole est activé? Non. Ah. Je sais pas quoi jeter dans tout ça. Oh, le knockback, il est fou dans la lave, excellent. Ah si, ça. Un or, putain, il m'en manque deux, quoi. Minotaur, ouais, Minotaur. Ouais. T'as pas Minotaur? Attends, j'ai des creepers au cul. Oh, ils sont loin. Non, d'autres creepers. Ouais, les creepers, ils sont loin, là. Ils sont de l'autre côté du lac. Non, non. Quand je te dis d'autres creepers, c'est au cul. Ok. Ah oui, là, je vois. Knockback! Mais quand même, le knockback pour ça, c'est génial ici. Génial. Ne serait-ce que pour les creepers. Bah, surtout pour ça, quoi. Alors, y avait un bloc d'or. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un bloc d'or là où t'as bougé le trou. À gauche, à côté de l'eau, je suis sûr qu'il y avait un bloc d'or. C'est brillant. C'était soit un bloc de fer, soit un bloc d'or, mais je suis quasiment sûr que c'était un bloc d'or. Il y a un creeper. Non, il n'y avait pas de creeper là quand t'as Non, bougé. c'est du fer. Ah, c'était du fer, oh, dommage. Avec squelette. Hop, un de moi. Ah ouais, c'était du fer. J'ai envie de voir, je sais à quelle couche je vais. Ouais. Le one shot. Non, c'est pas un one shot. Hein. Je l'ai Ah oui, touché non, c'est déjà un une two fois. shot. Ouais, two shot, j'ai vu. Oh, j'ai rien d'autre ici, donc bah j'ai plus qu'à aller ici. Trouver une faille, tomber sur une araignée. Franchement, là, c'est vraiment araignée-araignée, quoi. Araignée de la dernière chance. Merci pour la patate, le mec. Un zombie qui me drop une patate. Par contre, trois zombies qui me suivent, c'est bon quoi. Allez, on descend les petits. Voilà, c'est bien. Allez, on pousse son voisin, voilà, c'est parfait. Ah ouais, la petite patate. Calme. Je pense pas que tu sois seulement pour du diams, mais au moins là t'es sûr de trouver de l'or. Ah ouais, ils sont trop mignons là que C'est tout à fait ça, quoi. Oh, de l'or, c'est magnifique. Tu vois, t'es bien. Ah, le mec qui Ah, fait des ah, pompes. ah, ah, ça c'est moins drôle. tu connais quelque chose qui ressemble avec une potion dans la main? Un mec avec une potion dans la main? Ouais. Ah non, une witch! Ouais. Alors ça, tu le one shot ça. Oh, y'a du diams! Tu vas pouvoir te faire un. Ah non, c'est de l'or, zut. Et pas Ah ouais, ce une jeu. witch. Bah là, clairement. Déjà, tu chopes l'or, c'est obligé. Pourquoi tu t'en vas de l'or? Non, je m'en vais pas de l'or, si j'ai un putain de creeper au-dessus, j'ai pas envie qu'il me bute la gueule. Ouais, mais sachant que t'as une sharpness 2 jeu en diam, je pense que tu peux viser la witch. Je peux la viser, mais je peux me prendre une potion de poison. Donc Et... clairement tu prends l'or et tu te casses. Ça sert à rien de prendre des trucs inutiles. Sauf si tu y vas en mode sécurité avec des blocs devant toi, que tu mines sur le côté, et que tu mines au niveau de sa tête et bam 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 et tu la pousses dans la lave. Ça c'est tout à fait faisable. Tu fais une petite galerie juste à côté d'elle.
Voilà, j'ai sécurisé. Putain, c'est un piège à pute, ça. Ça va, la witch? Je t'aime! L'a eu? C'est bon? Non, non, bah non. Ah, ça va, c'est une potion de slowness qu'elle m'a donnée. Oh. Va-t-il aller tout droit? Mais si, il y allait tout droit. Avec un creeper, un zombie à côté. Non mais. Ah ouais, t'as droppé une potion. Elle m'a pas droppé, elle m'a donné une. Ah oui, donner une. Enfin, lancer une. Non mais ça va le zombie, tu pousses ton copain creeper tranquille. Le mec il pousse son copain dans la lave quoi, YOLO. Allez Et en froid. voilà la petite pomme qui fait plaise. Bon, tu la gardes, hein, évidemment. Oui bah oui. Mais franchement, fais comme je t'ai dit, une petite galerie à côté d'elle. Ensuite, tu mines un bloc, tu la tapes et c'est bon. Ah, il y a une autre galerie à côté parce que avec les squelettes que j'entends popper là, bah dans la Ouais, c'est lave. la galerie que. Ah, bah non, c'est un cul-de-sac, de toute façon. Et en plus, ça doit donner pas mal d'XP, une petite Twitch. Ouais, mais en fait, si. Ah, le truc. C'est que c'est ultra risqué ce que je veux faire. C'est pour ça que je vais pas tenter. Mais en fait, il faut que tu la blesses, et au moment qu'elle sort la potion, il faut que tu la one shot. Ah, comme ça fait tomber la potion. Ça fait tomber une potion de instant health. Mais elle a le Ah, c'est temps. obligé, instant heal. Bah oui, dès qu'elle la sort pour se soigner, oui. Ah, parce que, d'accord. Ouais, sachant qu'en plus t'es à côté de la lave et que t'as une knockback, c'est plutôt mort. Voilà, donc Sachant que t'as une knockback, encore t'aurais pas une knockback. Ou encore, ça serait pas à côté de la lave, je dis pas. Mais là, elle est sur un bloc, à côté de la lave, elle est coincée. Donc là, clairement, fais ta galerie. Tu la tapes, tu la mets dans la lave, quitte à la taper et à poser un bloc après pour être non. sûr. Bah non, et je peux pas me la mettre dans la lave, elle va boire une potion. De fire resistance? Ah bah ouais, elles sont pas connes à ce point, ces pétasses. Ah ouais, d'accord, elles ont toutes les potions Elles possibles ont et toutes inutiles. les potions du jeu. Ah, c'est dard. Oui, bah oui. Mais ouais, tente le coup de la potion de l'instant heal, je pense que ça peut être pas mal. Si t'arrives à voir son bras depuis là où t'es, je pense que c'est jouable. Si t'as une pomme d'or plus potion de heal, là clairement tu vas te fighter et puis c'est bon. Fin du game. Voilà. Là, par exemple, j'ai flambé. Elle a pris une potion de Fire Resistance. Et du coup là elle est en train de se baigner tranquillou là. Bah, j'ai même. Ouais, à peu près ça. Oh, de l'or. Une montagne d'or. Cool. Ah ouais, la meuf elle prend un dégât de vie, boum, direct, elle prend. On n'a rien à foutre du reste. Bah limite t'as qu'à la cramer petit à petit. Quoique peut-être que ça va durer longtemps, je pense, la Elle a potion. 8 minutes en potion. Hein. Ah ouais, 8 minutes. Ah ouais, d'accord, elle en plus elle a du truc 2 quoi. Bah, pas truc 2, mais puissance 2. Ouais. Bah, Bon longévité bah 2. tu sais quoi. Là, t'as une pomme d'or. T'as de quoi en faire une deuxième. Ah quoique non, ça te fera pas full life. Même assez risqué. Ou alors. Ah je sais, je sais, je sais. Tu vas encore descendre d'un bloc. Ensuite, tu la fais tomber d'un bloc. Comme ça, elle est bloquée par la pierre et le knockback ne la fera pas tomber dans la lave. Et tu regardes sa potion, et dès qu'elle sort sa potion, tu la tues. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, je pense que ça peut être jouable et ça peut le faire. Parce que du coup, elle sera retenue par la pierre, et tu verras toujours sa potion. Du coup, comme ça, tu peux toujours la voir, et puis tu seras pas emmerdé par les zombies, etc. Faut juste bien gérer son petit le temps de. Le zombie. Ah putain, c'est après. Fuck. Là, tu descends d'un bloc, voilà.
dash. J'essaye un truc les gens, hein, donc vous inquiétez pas. Mais j'entends masse de zombies, donc ça veut dire qu'il y a... Ah, la pétasse a bougé. Je répète que la pétasse a bougé. Effectivement. Par contre, fais gaffe parce que je crois qu'il y a un bloc de l'avant dessous, donc si tu casses le bloc, je crois que ça descend sur deux étages, donc si tu la fais descendre, elle va se prendre la lave. Ah ouais, elle a bougé. Ah la salope. Vas-y, coince-la. Oh putain, la pétasse, elle s'est remise jusqu'au bout. Ah, mais elle commence à me casser le haricot, celle-là. Eh, hey, ça vaut le coup, mec. C'est pour une potion de heal. Potion de heal plus deux pommes, t'es le roi du monde. Ah non, c'est vrai que t'as toujours pas ton arc. Bah attends, hein. Ah, dommage. Ah, elle a cuit. Sa fire était finie. Ok. Bah, ouais. Je l'ai vu sortir une potion de fire tout à l'heure pendant que t'étais en train de... Bah moi aussi, mais elle a cuit. Mais pourquoi t'as fait ça? Parce que t'as une chance sur deux de l'avoir. Non, une chance sur deux. Non, il faut qu'elle sorte. Elle te lancera instant damage et ensuite elle doit se régénérer. Donc D'abord elle t'attaque et ensuite elle te... Ah d'accord, ah oui, bah si elle t'attaque d'abord, ouais, ça valait pas la peine. Bon bah maintenant, clairement, tu... Bah clairement. Clairement, j'entends beaucoup de zombies, hein, surtout ça. Ça va, c'est des zombies. Donc tu continues dans la grotte là où t'étais tout à l'heure, là, derrière la witch, et puis tu continues jusqu'à ce que tu te croises des araignées, tu te fais un arc et tu les dégommes. C'est une façon de voir les choses. Pourquoi tu vas pas dans la... Parce que j'ai tellement mis à côté. Ah, salut zombie. Et tu poses ton copain? Attends, je te fais flamber avant. Une crêpe flambée aux zombies. Tout à fait ça. C'est con, hein? Ah, excellent. Le petit minage. Putain, j'adore tellement jouer avec les zombies, c'est dingue. Avec une knockback, tu te transformes en troll... Troll incarné. Ouais. Ah, coco les araignées, coco les squelettes, par contre. Pas d'araignée, si. J'ai entendu araignée, après. Ah bah si t'as entendu araignée, faut bien te concentrer sur le son. Ça va le faire. On croit en toi. Ah, ça c'est une jolie petite cave, ça. Jolie petite squelette aussi. Tu m'as pas droppé quelque chose, toi, par contre? Oui, je me suis retrouvé nez à nez avec. Ouais, j'ai vu ça. Mais au moins t'as eu de la chance, entre guillemets, qu'il vienne vers toi, parce qu'il était quand même assez loin. Il aurait pu t'attendre comme un fourbe, comme ils font à chaque fois avec moi. J'adore, j'ai les double shots. Bah normal. Back, talk, back. Prends la flèche. T'as oublié la flèche. Ouais, mais je... Mais t'es sérieux? Comme ils viennent tous te voir, quoi. C'est abusé. Par ici la monnaie. Oh la date crevasse. Ah bah c'est cool ça. Oh yeah, date or.
pas mal. Oh la vache. Oh, je pourrais tellement me refaire. Bah ouais, mais là c'est surtout l'art quoi, parce que c'est bien beau d'être full vie, mais bon après c'est vrai que t'as la potion de force qui fait clairement la différence, mais le mec, je pense qu'il a tué tellement de gus qu'il a bien dû tomber sur un petit mec avec une. Ouais, certes, mais Après bon. dans les crevasses, c'est surtout les zombies et les squelettes qui et les creepers. Il y a rarement des araignées. Eux, c'est plus en terrain plat qu'elles sont. Creeper Power. Ah, coucou mon araignée. Ah, voilà. Allez, on croise les doigts pour au moins un fil. C'est Zéro. une deux. Zéro. Non. Bon, au moins, ça veut dire que t'es à la bonne taille. T'as quelque Ouais. chose. Ouais, c'est juste une araignée qui traînait comme ça. Mais... Bon, par contre, il y a beaucoup d'or. Et ça, c'est plutôt un très bon point pour moi. Ouais. Oh, du diams. Yes. Combien? Et ça t'aime bien, mais Je dis combien? Bien. ah. Et d'un, et de deux, et de trois, et de quatre, et de cinq, et de Cinq, six, et de six, sept, et sept, de huit. huit. Oh, le plastron! Le plastron enchante! Ouais. Le plastron chante. Et j'entends un malheureux creeper. C'est bon ça. C'est bon ça. Protection 1. C'est bon ça. GG. Ouais, besoin de place. Mais d'ailleurs, je suis bête. T'avais ton froc, il était pas protection 1. Si. Ah si, ok. Parce que si ton froc n'aurait pas été protection 1, autant se faire un froc et l'avoir passé en protection pour. GG. Là ouais clairement diamant protection 1 je pense que c'est plus rentable qu'un torn. Ah bah largement là, ça me grade mes points d'armure assez haut. Et toi, retourne à ta niche. De la chance qu'il soit pas venu pendant que tu. Il y a le diamant là le squelette. Là, la petite flèche par derrière les fagots. Comment tu l'as envoyé balader le creeper? Totalement. Bon, allez, l'araignée, on y croit. J'ai trouvé plein d'or partout, donc... Ah, Une bonne trentaine. Bakufun à tuer à Hugo. Ah, il y a J'ai encore du trouvé un diams arc, moi. là-bas. Ah, bien. Franchement, si tu te fais un arc, tu peux le battre, Bakufen. T'as une potion de force. T'as bah, bientôt peut-être un casque en diams ou des bottes en diams. T'as combien, la diams? Attends, je vais déjà sécuriser. Faut que tu l'atteignes. Deux, trois, 3, quatre, cinq, 5, six, 6. six. Ah merde! Et t'en avais pas en stock? Non. Ah zut, t'aurais pu te faire un froc. Mythe, attends de voir s'il y en a pas d'autres pour te faire un froc. Oui, bah oui. Ouais. Il n'y a rien d'autre ici, par contre. Ah bah donc deux stands à diamant dans une crevasse, tu dis bien. Hein. Chance Ça est va. avec toi. Bah, la chance a été tellement mauvaise au début, elle peut bien apparaître un jour. C'est ça, c'est comme moi. C'est-à-dire que voilà, moi j'avais pas de chance avec le bambou, après ça s'est bien passé, après il y a eu une petite rencontre malencontreuse. Là ça va là. Ouais, là, ça Là va je trop bien. pourrais miser sur toi, si on me prend.
Ah oh, putain, c'est encore la pause? Ah oh, t'es sérieux? Mais ça me casse les couilles les pauses. Eh bah du coup on refait la pause et puis tout à l'heure quand... Voilà.